Je ne pense jamais à toi. Oh, tu penses à moi quand tu me vois. Eh. Allez, paye-moi le café. Profitons que mon père en ordre. Dis, Marius. Oh. Pourquoi tu n'es pas venu danser hier au soir? Où ça? À la cascade. On danse tous les dimanches. Tu vas toi à la cascade? Oui. C'est des gens très bien. Qui ça? André, M. Bouzic, Victor. Je dansais toute la soirée avec Victor. Est-ce qu'il est aussi bête quand il danse que quand il marche? Que tu es méchant. Mais pourquoi tu viens pas là-bas? Oh, je sais pas danser. Si tu veux, je t'apprendrai. J'y tiens pas. Et où tu es allé? Moi, j'allais me promener. Respirer l'air du soir sur la jetée. Tout seul? Oui, mais j'ai rencontré M. Brun. Ah, il est revenu? Hier matin. Et qu'est-ce qu'il était allé faire à Paris? Mais dis, il est allé suivre des cours dans une école de douane. Quand il est parti, il était commis et maintenant il est nommé vérificateur. Oh, il gagne beaucoup, les vérificateurs. M. Brun? Rien que pour faire blanchir l'école, il lui en faut, rappelle-toi, hein. Et voilà ça, Igor. Comment le sais-tu? C'est le sifflet du Yara. Pour le café? Oui. Bon. Je viens de le faire. Tu en veux une tasse? Non. Pourquoi? Parce que si nous buvons tout gratis, il ne restera plus rien pour les clients. Hein. Vous n'allez pas pleurer pour une tasse de café? C'est pas pour le café, c'est pour la manière. Quelle manière? De boire le magasin pendant que je dors. Si tu as voulu me faire un affront, tu iras ici. Affront? Quel affront? Si à mon âge, je ne peux pas offrir une tasse de café, qu'est-ce que je suis, moi? Un enfant. Un enfant qui doit obéir à son père. À son âge? Oui, ma belle, moi, il a fallu que j'attende l'âge de 32 ans pour que mon père me donne son dernier coup de pied au derrière. Voilà ce que c'était que la famille de mon temps. On avait du respect et de la tendresse. À coup de pied, hein? Envoyez-moi une dingrade de révolté. Oh, dis-moi, si ma mère me donnait une gifle, je sais pas ce que je ferais. Eh bien, tu n'es plus dans un coin, va le tour. Et si ton pauvre père vivait encore pour te donner de temps en temps une paire de calottes, ça te ferait pas de mal à toi. Oh, tu peux rire, tu es dans des enfants pour qui vous empoisonne l'existence. Je lui empoisonne l'existence, maintenant, dis, je te fais la moitié du travail. Oh, ben parlons-en de ton travail. Je dis, c'est quand on a besoin de toi que tu n'es jamais là. Alors. Moi, je suis toute la journée au comptoir. Et c'est la vérité. Et là, quoi, tu te mets? Toi, hein? Il est vrai que quand tu es là, tu travailles avec un tel dégoût. Tu es triste, tu es pâle. On dirait un anti-alcoolique. Je suis peut-être un neurasthénique. Toi? Et alors? Où tu l'auras attrapé, ça? Eh, hey, ça vient comme ça. Ouais, ben ça va, n'essaye pas de monter le coup à ton père, hein? Oui, et toi, maman, t'es clavis sur les deux barrières. Fiche-moi la canne, là-bas. La vérité, c'est que tu es mou et paresseux. Mou et paresseux, tu es tout le portrait de ton oncle Émile. Celui-là, il passait jamais au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre. Tu es un rêvasseur. Et tu connais pas ton métier. Je le connais pas. Non, tu ne le connais pas, ton métier. Tu ne le connais pas, ton métier. Là, tu sais pas encore doser un vermoutassi ou un mandarin citron. Quand on piquant citron curaçao de la maison, ça, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Hier, le père Cougourde est venu et il s'est plaint à moi. Oh, pourtant pas difficile, voyons. Tiens, regarde.
tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron. Tu vois? Un bon tiers de piquant. Tu vois? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà. Et ça fait quatre tiers, hein? Et alors? Eh bien, dans un verre, il n'y a que trois tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Eh non, ça dépend pas. Pourquoi ça dépend pas? Mais c'est de l'arithmétique, ça. Oui. Mais ne cherche pas, l'arithmétique ne cherche pas à détourner la conversation, n'est-ce pas? Et la goutte sur le goulot de la bouteille, c'est de l'arithmétique, ça aussi? Quelle goutte? C'est pourtant pas dit la goutte que tu laisses couler tout le temps sur le goulot. Je te dis, c'est pourtant pas difficile. Coquin de sortir, regarde, tu verses comme ça, en faisant un quart de tour. Hop! Et avec le bouchon, tu remets la goutte dans le goulot. Seulement toi, M. Marius, tu fais ça à l'amateur. Alors évidemment, la goutte coule sur l'étiquette. Oui. Et voilà pourquoi ces bouteilles sont plus faciles à prendre qu'à lâcher. Ça fait rire, ça? Toi aussi, tu ris. Je ris de ma patience. Ouais. De ma patience. Ouais, ouais. Demain matin à 9h, tout le monde en blanc sur le pont. Ouvrez le banc. Quartier maître Piquoiseau. Au nom du gouvernement de la République, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Oh, dis, Piquoiseau, ça te prend souvent, ça? Ah, il y a un traître à bord. Oh. Amiral Escartefigue, je vous casse. Vous restez au fer jusqu'à Manille. Amiral Escartefigue est dégradé. Amiral Escartefigue est dégradé. L'amiral Escartefigue est dégradé. Il y a du monde. Pas de ce qu'il y a, mais d'autre côté, il y en a deux qui prennent les signaux. Et comment font-ils? Bon, comme ça. Oh, c'est peut-être des Napolitains qui se parlent. Et non, ils font des gestes de passagers. Oui, et ben alors j'irai voir ça tout à l'heure. Bien, capitaine. Dis, en attendant, fais monter la pression et donne-y quelques coups de sifflet, ça leur fera prendre patience. Bien, capitaine. Et rien que trois coups de sifflet. Autrement, tu me manges tout à la vapeur. Bien, capitaine. Et fais attention de ne pas trop ouvrir le sifflet. Bien, capitaine. Parce qu'après, on ne peut plus le fermer, alors. Et alors, il n'y a plus de gens qui ont besoin de traverser le pont, dites. C'est le pont transbordeur qui me fait du tort. Avant qu'ils aient bâti cette ferraille, mon bateau était trop petit. Et maintenant, ils vont tous au transbordeur. Ah, c'est plus moderne que le ferry-boîte. Et puis, ils n'ont pas le mal de mer. Vous en avez vu, vous, des gens qui ont le mal de mer sur votre bateau? Oui, j'en ai vu. Qui? Moi. Pour une traversée de 100 mètres? Que 100 mètres? Il y a 206 mètres d'une rive à l'autre. Ah, oui. Oh, me dis, je connais bien le voyage, oui. Je le fais 24 fois par jour depuis 30 ans. 30 ans. Dites, monsieur Escartefigue. Oh. Ça ne vous fait rien quand vous voyez passer les autres? C'est les autres. Les autres bateaux, des... Ceux qui prennent le pont en long au lieu de le prendre en travers. Pourquoi veux-tu que ça me fasse quelque chose? Parce qu'ils vont loin. Oui. Et d'autres fois, ils vont profond. Et le soir, quand vous partez pour la dernière traversée, qui a toutes ces lumières sur l'eau, il vous est jamais venu l'envie? Quelle envie? De tourner la barre tout à coup et de mettre le cap sur la haute mer. Sur la haute mer? Mais tu deviens fada, mon pauvre Marieux. Oh que non, je vous ai bien deviné, Harry. Mais qu'est-ce que tu as deviné? Que vous souffrez de ne pas sortir du vieux pont. Moi, je souffre. Oui, vous, vous. Et quand vous allez prendre l'apéritif ici, des fois, à M. Philippot, M. Cadrousse, qui revient du Brésil ou de Madagascar, et qui vous parle de là-bas, hein? Mais je le vois bien que ça vous fait quelque chose. Ça me fait plaisir de les voir revenus d'aussi loin. Pas plus? Pas plus. Écoute, Marius, je suis fier d'être marin et capitaine. Maître à bord, après Dieu. Mais Madagascar,
Tu peux pas te figurer à quel point je m'en fous. Oh, dites. Ah, question de patriotisme, j'en dis pas de mal. Et je suis content que le drapeau français flotte sur ces populations lointaines. Quoique personnellement, ça ne me fasse pas la jambe plus belle. Mais y aller, et en bateau, merci bien. Je suis trop heureux ici. Je l'aurais pas cru, moi, dit. Adieu, va. C'est, il m'appelle, ouais. Ça y fait de la peine de faire attendre le passager. Brave petit. Vous allez cracher le cibé. Il me mange toute la vapeur. Oh, imbécile. Monsieur Brun, et ce Paris-là, ça vaut la peine d'être vu, ouais. Ah, c'est impressionnant. Ah oui. Et vous êtes beaucoup promené là-bas, à Paris? Chaque soir, je l'ai fané sur les boulevards. Non. Dites, vous avez dû rencontrer Landolfi. Qui est ce Landolfi? C'est un camarade de régiment à moi. Landolfi, un grand blond. Il a des moustaches, là. Avec les yeux qui portent linge, vous savez. Oh, vous l'avez sûrement rencontré. Et non, je n'ai pas vu Landolfi. Comment, vous l'avez pas vu? Mais vous n'êtes pas allé à Paris, alors? Oh, j'en viens. De Paris? Et vous n'avez pas vu Landolfi? Et non. Alors il est mort. Peu cher. Oh, mais non. Paris est grand. Ah oui, c'est grand, oui, 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 c'est grand. Oui, oui. Mmh. Ah si, c'est très grand, mais enfin, c'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille. Mmh? J'ai vu au moins 40 canadiens. C'est le voyage qui vous a fatigué, monsieur. Alors, ça n'a pas un miracle, c'est nous les Marseillais qui exagérons. Oui. Quelle mentalité. 40 canadiens. Ah, vous êtes bien lyonnais, vous savez. Voilà. Oh, cooking de soir, midi et demi. Ah, mais où est-il? Il va s'habiller, dit, c'est lundi aujourd'hui. Mais qu'y a-t-il de particulier le lundi? Vous ne savez pas, monsieur Brun? Eh non. Le lundi à midi et demi, papa, mon père, il va déjeuner avec ses amours. Ah oui, une italienne, tout ce qu'il y a de beau. Une femme comme ça, hein? Mais non, maintenant c'est changé, dit. Il a découvert une hollandaise, elle est au moins le double. Quand il va la voir, il cherche des prétextes, là. Il me donne des explications pendant au moins 10 minutes. Ah, mais pourtant, c'est pas un crime d'avoir une maîtresse quand on est veuf. Veuf? Oh, malheureux. Oh, pas ce mot-là devant moi, monsieur Breuil. Pourquoi? Comment? Vous n'avez pas su mon malheur? Quel malheur? Mais. Quoi? Madame Panis? Oui, monsieur Breuil. Il y aura 3 mois demain. Ah. Le vendredi, elle avait encore mangé un aioli du tonnerre de Dieu avec les escargots et la morue. Et le dimanche matin, dernier soupir. Si vite, quelle catastrophe. Ah oui, vous me direz ce que vous voudrez, mais il y a des fois que le bon Dieu n'est pas gentil. Une si brave femme, si dévouée, si travailleuse, qui faisait marcher les ouvrières comme pas une. Il n'y avait que ça, dans l'intimité, elle était gaie et rieuse. Il y fallait tout le temps des taquineries et des jeux. Le matin, quand elle était en chemise, je m'amusais à lui courir après, autour de la table de la salle à manger. Je lui donnais des petites tapes, je lui tirais des pinces, gentiment, pour rire. Et alors, pour se venger, elle me faisait des chatouilles. Ne remets pas vos souvenirs, Panis, ça me fait du mal. Oh oui, quand on pense que tout ça ne reviendra plus, je passe mes nuits à pleurer. Voyons, monsieur Breuil, est-ce que cela peut durer? Que faire? Ah, je le sais bien, allez. Ma résolution est prise. Allons, allons, mon vieux, soyez viril, réfléchissez. C'est tout réfléchi. Je ne suis pas capable de supporter un pareil calvaire. Attendez encore un peu, vous verrez. Non, 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 non. Je préfère me remarier tout de suite. Vous préférez vous remarier? Le plus tôt possible, mon bon. Elle est morte, elle est morte. Ce n'est pas en maigrissant que je pourrai la ressusciter, pas vrai? Bien sûr. Il y en aura peut-être qui trouveront que je n'ai pas attendu assez longtemps. Mais j'ai la conscience tranquille. Parce que moi, en 4 mois, je l'ai pleuré bien plus que d'autres en 5 ans. Des larmes comme ça, monsieur Breuil. Et des cris
Terrible. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir le coup. Pauvre Panini, tu vois. Oh oui, je suis bien à plaindre. À la vôtre, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne serais pas étonné si vous aviez déjà choisi votre nouvelle femme. Oh oui, naturellement. Et je vais présenter madame Anne aujourd'hui. Qui est? Ah non, non, non. Non, 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 je ne peux pas vous oublier. Non, non, monsieur, moi, je ne peux pas. Mais je vous retiens pour l'annonce, ok? Je l'aurai des autos pour tous les invités. Il y aura tous les prud'hommes, tous mes clients, tous mes amis. Il n'y manquera qu'une seule personne. Mais elle y manquera bien, allez. Ma pauvre Félicité, très chère. Elle qui met tant les fêtes. Mais quoi, le bon Dieu ne l'a pas voulu? Que faire? Elle nous verra de là-haut, ou elle est sûrement plus heureuse que nous, allez. Hé! Hey, Panisse! Oui! Le second de la Malaisie est au magasin! J'y vais! Oh, coquin de sort, c'est une grosse commande. Il faut sauter dessus. Ils sont déjà venus hier pour un jeu complet de voile de rechange. Un gros bateau? Ah oui, c'est la Malaisie. Le trois-mâts qui part en mission. Ton lien est d'aller en mission sur un voilier. Et pardon, pardon, ils partent pour étudier les vents et les courants depuis Suez jusqu'en Océanie. Et c'est un voilier qui a une machine de secours, n'oubliez pas. Papa, tu te dépêches? Ouais, sauvage! Et donne-moi le temps d'arriver. Tu vois tout de même pas que je me fasse mourir. Vous finirez tout de même par y aller, hein? Que voulez-vous? Quand on est pas rentier, le travail, c'est le travail. Ça n'a pas l'air de lui plaire, hein? Eh, oui. À Marseille, monsieur Boy, y a rien d'aussi pénible que le travail. Alors, Fanny, c'est entendu? Et quoi? Je peux demander ta main à ta mère? Tout le monde a le droit de demander une fille. Oui, mais enfin, toi, ça ne te paraît pas extravagant? C'est à ma mère de vous répondre. Exquise pudeur d'une vraie jeune fille. Oh, chef! Oh, j'arrive! Je vole, me voilà! Je vais le foutre en l'air, moi, c'est simple. Voilà. Ce sera peut-être une pointe jusqu'au café Mosteg, et je mangerai un soupe de poisson, un bistec avec quelques pommes frites. Enfin, je sors. Au fond, vous n'avez pas besoin de donner des explications. Des explications? Et je ne donne pas d'explications, monsieur. Ça serait malheureux si à mon âge, il fallait que je donne des explications parce que je sors. Je dis simplement que j'ai vu au café Mosteg manger une soupe de poisson. Ce n'est pas une explication, c'est un renseignement. Voilà. C'est-à-dire que si on a besoin de vous, on n'ira qu'à aller vous demander au café de monsieur Mosteg. Non, non, monsieur, on n'a pas besoin de venir me demander au café de monsieur Mosteg. Non, 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 d'abord, pourquoi on allait me demander au café de monsieur Mosteg? Pourquoi on allait me demander au café de monsieur Mosteg? Vous avez quelque chose à me dire? Dites-le moi tout de suite. Alors. Mais je dis rien, monsieur, c'est vous qui dites. Moi, je dis que je n'ai rien à dire. Voilà, que si ça me fait plaisir de sortir, je n'ai pas besoin de demander la permission à un lyonnais. Et voilà. Qui vous dit le contraire? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, cette inquisition? Le nom de Dieu, le nom de Dieu, tout de même. Si j'avais 86 ans, sans parler qu'on s'occupe de moi, qu'on me surveille, qu'on m'espionne. Mais enfin, j'ai encore la tête à moi. On peut me laisser sortir seul. Je tomberai pas dans le port. Dis, papa, personne ne te dit rien. Tu as envie de faire une petite promenade, c'est naturel. Hein. Voilà le mot, c'est naturel. Mon fils l'a dit, c'est naturel. C'est mon fils qui l'a dit le mot, c'est naturel. Je sors naturellement. Mais c'est toujours ceux qui n'ont rien à dire qui se mettent au milieu des choses qui ne regardent pas. Eh bien, ça, c'est la suspicion. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te dis que c'est la suspicion, là. Et moi, je ne veux pas être suspecté par un lyonnais. Au revoir, patron. Si la voiture de Picon passe, tu prendras 12 bouteilles. Ce sera 240 francs. Je te rappellerai. Hein, 12 bouteilles, je reviens te le rappeler, hein? Non, il n'y a pas besoin de me dire bien fort les choses d'ici. La voiture depuis qu'on passe, je prendrai 240 bouteilles. Oh, sainte-lire. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, moi, pour m'avoir donné un enfant idiot comme ça? Mais c'est pas possible, c'est pas moi qui t'ai mis au monde. Si la voiture depuis qu'on passe, tu prendras 12 bouteilles. Si tu prendras rien, je téléphonerai. Mon pauvre enfant. Qu'est-ce que ton pauvre enfant dit? Quand on fera danser les couillons, tu ne seras pas à l'orchestre. Bonjour, monsieur Brun.
réfléchi à la chose. Eh oui, je réfléchis. Vous avez vu qu'elle a 30 ans de moins que vous. Eh oui, mais ce n'est pas de ma faute. Mais elle aura tout ce qu'elle voudra, de l'argent, des robes, des bijoux, alors. Oui, je sais que vous êtes un brave homme. Mais j'ai bien peur qu'il lui manque le principal. Quel principal? Je me comprends. Allez, allez, Lorine, parlez pas de ce que vous ignorez, hein. Je sais qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Mais c'est bien mon avis. Mais vaut mieux avoir 20 ans. Eh bien, la petite, elle a 20 ans. Mais vous, vous en avez 50? Oui, mais j'ai 600 000 francs. Oh, mon pauvre panier. Les chemises de nuit n'ont pas de poche. Si je vous parle, moi, c'est dans votre intérêt. Ouais. Il est certain que pour ma petite, c'est un beau parti. Eh bien. Mais quand je pense à ça, et que je vous regarde, je vous vois une paire de cornes qui va trouer le plafond. Eh bien, vous vous trompez, voilà tout. Tout ce que je vous demande, c'est de dire oui. Le reste, je m'en charge. Je crois que je vais me marier. Avec qui? Personne ne le sait encore. Mais à toi, je vais te le dire, parce que tu vas me donner un conseil. Avec qui? Tu m'as demandé à ma mère. Qui? Je ne sais pas si je fais bien de te le dire. Eh bien, si tu veux pas le dire, garde-toi le allant. Oh, tu le sauras bientôt, va. Je sais déjà, c'est le petit Viton. Il y a assez longtemps que ça se compare. Mais tu l'as compris, toi. Oh, oui, tout le monde l'a vu. Il est de Paris ici tous les soirs sous prétexte de manger des coquillages. À preuve, il en a tant mangé qu'il a failli mourir de l'ortiquaire. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que c'est un imbécile. Et puis, si tu comptes sur le magasin, le père est encore mort, tu sais. Mais je n'entends pas la mort de personne. Mais je me moque pas mal de Viton. Alors, qui c'est? Panis. Panis? Le père Panis? Monsieur Panis. Oh. Tu me crois pas? Non, je te crois pas. Alors, tu ne veux pas me donner un conseil? Eh oui, je te conseille, quand tu voudras me faire marcher, de trouver une histoire moins bête que celle-là. Un homme qui a les yeux plissés comme les côtés d'un soufflé, hein? Tu as bien raison. Le soleil est le dieu du jour. Mais cachez-lui ce vrai visage, car il pourrait brûler dans son ardeur sauvage les douces roses de l'âme. Bravo, bravo, Panice. C'est envoyé, ça, vous savez. Mais c'est vous qui les avez fait. Je te dirais oui si j'étais menteur. Et si je n'étais pas certain que tu les verras sur un pot de pommade dans la vitrine du bureau de tabac qui fait le coin de la rue Victor Gelu. D'ailleurs, le plus grand mérite d'une poésie, c'est d'être bien placé dans la conversation. Marius Dazana. Il a une pour moi. Et pour qui serait-elle? Viens, viens t'asseoir un peu ici, hein? Viens. Nous avons parlé avec ta mère. Elle est en train de regarder ma comptabilité et je crois que nous serons d'accord si tu dis oui. J'ai demandé quelques jours, Panis. Oh, tu as bien fait. Oh, il n'est pas mauvais de faire attendre une réponse. Tant oui me fera plus de plaisir encore. Dites, Panis, combien c'est vous en avez d'ouvrières? 23. Hé, petit, combien peut les verres? S'en plaît. Menteur! Menteur, vous dites? Tiens, alors, pardon, là. Mais fais donc attention, voyons, tu verses tout à côté. Il est un peu fatigué aujourd'hui. Oh, ce ne sont pas des manières. Oh, qu'aucun ne change. J'ai oublié mes allumettes. Attendez, Panis. C'est gentil ce que tu viens de faire. Une allumette tenue par une aussi jolie main. Oh, Panis, ne dites pas que j'ai de jolies mains. Oh, elles sont petites comme tout. Elles sont fines. Elles sont chaudes. Oh, et tu as une bien jolie bague. Elle vous plaît? Ah oui, elle fait très bien. Elle est en or. Je sais pas. Je l'ai trouvée dans une pochette surprise. Alors, elle est en cuivre, hein? Tant pis. Tu n'as jamais eu de bague en or? Non. Mais ton collier, il est en or. Oh, mon collier, oui. C'est ma tante Zoé qui me l'a donné pour ma communion. Ah, il est joli. Il est bien joli. Il y a une médaille au bout. Mais attendez, je vais vous la sortir. Qu'est-ce qu'il a décrit? Ah, c'est ma date de naissance. Annie, ta mère te crie. J'ai pas entendu. Je te dis que ta mère t'appelle, ça fait trois fois, hein? Ah, tu dérèves? Ouais, en tout cas, si elle a besoin de toi, elle sait où tu es, hein? Parlons un peu sérieusement. Avec ta mère, nous avons discuté des chiffres. Elle est venue chez moi, et puis...
C'est moi qui vous empêche de causer? Non. Vous parlez bas et quand je m'approche, vous taisez. Hey, c'est peut-être que nous avons des choses personnelles à nous dire. Oui, mais quand on ne veut pas parler devant le monde, c'est qu'on dit des saletés. Hein? Des saletés? Mais dis grossier. Marius, fais un peu attention à qui tu t'adresses. Je m'adresse à vous, je vous dis que ça me fait mal au cœur de vous voir. Ben, tu n'as qu'à tourner l'œil de l'autre côté. J'aime pas qu'on me regarde d'un air sur deux airs. Moi, je te regarde d'un air sur deux airs. C'est bien fou, mon pauvre Marius. Un pauvre fou. Faites un peu surveiller des fous dangereux. J'en connais un que la mamie démange de vous envoyer un pastisson. Marius. À moi, un pastisson. Pauvre petit. Allez, sortez, sortez un peu de la banquette. Arrêtez, arrêtez si vous êtes un homme. Monsieur, ton procès, le nez, il va sortir du nez. Le nez, attendez, le voilà, mon nez, le voilà. Vous avez peur, hein? Marius, mais bien attention, tu ne me connais pas. Faites-vous connaître, c'est le moment, malheureux. Malheureux? C'est à moi que tu dis malheureux? Anis. Laisse, c'est une affaire en drôme. Tiens-moi le chapeau. Donne-le un peu ton pastisson. Vous me le pressez le nez? Pauvre petit. Malheureux. Pauvre petit. Commerçant. Oui, tu parles, mais tu n'oses pas commencer. Faites beaucoup de menaces, vous m'avez rien d'autre. Oh, si je ne me retenais pas. Vous n'avez pas les cheveux gris. Tu veux peut-être que je les arrache pour te faire plaisir. Au Paris, ça. Oui. Je suis occupé. Tiens de la chance. Fanny, je te quitte, puisque mes affaires l'exigent. Est-ce que tu me feras le plaisir de venir goûter chez moi tout à l'heure? Mais pourquoi pas ici? Parce que je refuserai désormais de mettre le pied dans une maison où les gens ne savent pas se tenir à leur place. Vous allez pas prendre l'accent parisien, ça m'impressionne pas, moi, vous savez. Alors, à tout à l'heure. Je t'attends là-bas. Hein? Deux anisettes à 2 francs 25 font 4 francs 50. Tenez, voilà 5 francs. Gardez, garçon. Oh, Marius, tu n'es pas gentil de faire tant de bruit pour des choses qui ne te regardent pas. Si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru. C'est honteux ce que tu viens de faire avec ce pauvre vieux. Quel pauvre vieux? Tu vois pas que tu risques de le tuer, non? Du temps qu'il regardait dans ton corsage, il suait, il soufflait, il était rouge comme un garde-pu. C'était bien plus rouge que lui. Ah. Déjà, je tiens gorge. Et puis, ça te regarde pas. Eh bien, tu as raison. J'ai tort de me mêler. J'ai d'autres soucis en tête. Heureusement. Seulement, ce qui me fait peine, c'est de voir que tu es en train de devenir comme ta tante Zoé, voilà. Alors, j'ai pas le droit de me marier? Allez, Fanny, c'est pas possible. Tu as pas pensé à tout. Mais comment à tout? Tu sais bien que quand on se marie, il suffit pas d'aller à la mairie, à l'église. On commence par là. Et après? Après, il y aura un grand dîner chez Basso. Mais après, quand tu seras seule avec lui? Ben, je verrai bien. Il faudra que tu te laisses embrasser. Tant pis. Mais il t'embrassera sur l'épaule. Et puis sur la bouche. Tais-toi, Marius. Ne parle pas de ces choses. Eh si, il faut en parler maintenant, parce qu'après, ce sera trop tard. Il va te serrer dans ses bras, se dégoûtant, ce voyou. Oh, salio! Oui, oui, je sais bien pourquoi tu ris, mais ça n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai? Tu ris parce que tu crois que je suis jaloux. Oh, voyons, Marius. Pour être jaloux, il faut être amoureux. Eh bien, justement, je ne le suis pas. Non, non, non. Il suffit pas d'avoir joué aux cachettes 3 ou 4 fois pour être amoureux. Bien sûr, Marius. Oh, ben évidemment. Si j'avais voulu, moi aussi, j'aurais pu t'aimer joli comme tu es, ça aurait pas été difficile. Seulement, j'ai pas voulu. Marius! Prenez. Peux-tu garder le bar quelques minutes? Mais s'il vient des clients. Je suis retour dans 20 minutes.